savoir que vous donnez à M. Ouattara la stature pouvant lui permettre d'adouber ici et de ne pas accepter par là. Vous me permettrez, avec tout le respect que j'ai pour vous, de m'ériger en faux contre ces honneurs immérités que vous donnez à M. Ouattara. On sait qu'il est moins qu'un sous-préfet. C'est un faussaire. Vous connaissez comment il a trafiqué nationalité. C'est un faussaire. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Au sens propre du mot, dans tous les sens On du vous mot. comporte avec moi. C'est un faussaire. Ça frise à la Fémania, ce qu'il est d'ailleurs. Il n'est pas ivoirien. Et il est devenu président de la Côte d'Ivoire par les voies que nous connaissons tous. J'ai appelé son accession à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire la plus grande catastrophe qui a frappé l'Afrique depuis 50 ans. Et j'ai ensuite ajouté que c'est l'abjection suprême en politique. Je parle bien d'abjection suprême en politique. Donc, à partir de ces bases d'analyse qui sont incontestables, Jocelyn Gauss, vous ne pouvez pas donner à ce monsieur une stature qu'il n'aura jamais et qu'il ne mérite pas. Ce qui est clair, c'est que monsieur Oligui Nguema dévoile son vrai visage de plus en plus, le masque tombe, et il cherche des voies pour arriver à Paris. Oligui Nguema cherche les voies pour arriver à Paris. Et Paris veut lui faire payer ce petit jeu pour tromper les naïfs qu'il a essayé de montrer au début de la transition en faisant comme si il prenait ses distances à l'égard de Paris. Donc, maintenant que le marécage gabonais, je dis bien le marécage gabonais, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, autrement, le système politique gabonais, maintenant que ce marécage-là, il a de la peine à nager à l'intérieur et que lui veut la stabiliser pour ses propres objectifs à lui, objectif présidentiel à lui, il faut bien maintenant qu'il cherche le maître qui connaît le plus le marécage et qui a fabriqué les caïmans qui nagent dans le marécage. Et ce maître fabricant, c'est la France. Alors, il passe donc par l'intermédiation de M. Ouattara, qui est l'ennemi en chef du continent africain et qui a la peau noire, mais n'a rien d'africain. Rien d'africain, c'est un mercenaire, un grand mercenaire. Et donc, M. Luginguema est simplement allé chercher l'intermédiation du mercenaire en chef pour arriver à Paris. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, vous avez vu la prétention de M. Oligui. Au lieu de se taire, il ose demander à ses frères militaires de revoir leur copie et de revenir à la CEDEAO. Mais vous avez suivi ce qu'il a dit. Exactement. Mais voilà, ça vous dirait. Il donne les gages. Mais tout ça est pitoyable. Ça fait pitié. Bon, nous n'avons jamais cru qu'une lumière supérieure devait venir de M. Oligui Nguema. Mais on a dit, ça a été un consensus non écrit au niveau de l'Africanisme, que bon, ok. Bon. Il a renversé Ali Bongo. Il ne faut pas trop lui demander. Nous avons dit ça. Que bon, c'est déjà bon c'est déjà beaucoup de renverser la famille Bongo. Mais on a compris que bon, il ne faut pas trop. Trop lui demander. En même temps, pas attendre grand-chose. On va voir. Parce qu'il fallait gérer la fureur des Gabonais, de beaucoup de Gabonais, qui pensaient que non, ils ont fait la révolution la plus extraordinaire qui ait jamais eu sur Terre. Nous, on le disait du haut de notre expérience. Et de l'expérience de l'histoire, qu'il suffit de lire, que vous n'avez encore rien fait. Vous avez seulement chassé Ali Bongo. Le système Bongo est là. Et le système Bongo n'est que la face visible du système France-Africain, dont le Gabon est une des terres, ou un des fils aînés. Un fils aîné, dont vous n'avez encore rien fait. Quand vous avez chassé la famille Bongo, il reste le système Bongo, et il reste la France-Afrique et la tête de la France, qui sont là. Bon, ils n'ont pas compris, ils savaient que les Gabonais à l'époque, ils croyaient que non, vraiment, il y avait l'euphorie. Il fallait que nous respections ça. Parce qu'ils allaient commencer à nous insulter, dire que vous ne parlez pas de vos pays, vous parlez seulement de nos pays. On a respecté. Le poste allait bientôt faire plus d'un an qu'il est là. Exact. Bon, maintenant, ça commence à devenir sérieux, non? On commence à voir. La réalité commence à rattraper. À rattraper. Comme ça va arriver aussi au Sénégal, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. La réalité commence à rattraper les gens. Et Oligui Nguema, face aux réalités du marécage gabonais, dont il est un des caïmans les plus méchants, il se rend compte que même si les militaires, il y a d'autres caïmans là, qui ne sont pas militaires, mais qui sont puissants et qui peuvent l'avaler. Alors c'est pour ça qu'il a mis sur pied ce qu'on appelle
des mesures de gouvernance, parlons comme ça, on essaie d'attraper tel voleur ici, on fait des mesures cosmétiques qui sont certes nécessaires. C'est important que des voleurs remboursent ce qu'ils ont volé. C'est important de mettre un peu d'ordre. Mais lorsque celui qui veut mettre l'ordre lui-même, il ne peut pas expliquer où il a pris sa fortune. Ce monsieur est un des Gabonais les plus riches. Oligui Nguema. Il n'a jamais expliqué comment il a fait pour être riche. C'est un bongo. Je dis que c'est un bongo. Vous avez vu la visite qu'il a faite auprès du président Sassou Nguesso. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu que ce n'est pas la politique qu'on fait là-bas. C'est une autre affaire quasi familiale. Et avec des allégeances qui ont surpris les naïfs, mais que nous on comprend. C'est un bongo. Alors maintenant que les Gabonais ont dit, nous avons chassé les bongos. On a chassé Ali Bongo et consorts. Je ne pleure pas ces gens-là. Je ne pleure pas cette famille, rassurez-vous. Mais c'est un héritier bongo qui est là. Donc vous voyez très bien que entre pour nager dans ce marécage-là, devenir le caïman en chef d'abord, parce que son grand combat c'est devenir le caïman en chef. Ça n'est pas gagné. Ça n'est pas gagné. Même l'armée pour l'instant là, qui fait semblant d'être unie, est traversée par des divisions sérieuses. Donc tout ça fait que Oligui Nguema a besoin de parrains capables de neutraliser le caïman qui peuvent le menacer. Mais la question est celle-ci, la question fondamentale est celle-ci. En retour, il va les donner quoi? Il a commencé à montrer ce qu'il peut donner. Il va donner les ordres à ce soi-disant frère militaire dans une démarche qui frise la bêtise, qui fait honte. Ça fait honte. Donc, là encore, on voit une fois de plus, vous avez parlé de diplomatie. Bon, voilà quelqu'un qui sous-traite sa diplomatie, ça veut tout dire. Il est conscient lui-même que le pays n'est pas en mesure d'envoyer une diplomatie autonome. Il a commencé par Sassou, après maintenant il va sous-traiter ça à l'ennemi du continent africain, à ce qu'il y a de pire dans l'histoire de l'Afrique, M. Ouattara. Vous voyez très bien qu'il indique, parce que s'il avait envoyé un premier ministre, on aurait pu comprendre que bon, le président se réservait une marge. Mais lui-même, qui est le dépositaire de la diplomatie du Gabon, qui est l'ordonnateur en chef de la diplomatie du Gabon, qui est celui qui déclenche les rythmes de cette diplomatie, il est allé lui-même faire allégeance à un voyou, un mercenaire, M. Ouattara. Mais monsieur Ngoz, ça montre, quand un chef d'État commence à faire ses sorties-là, il faut bien suivre ses sorties et analyser le cachet qu'il donne à chaque sortie, à chaque étape. Vous voyez le cachet particulier qu'il a donné. On va me dire que bon, c'est pour la première visite, il a fait le tour. Mais les autres visites avaient un sens précis. Là-dessous, les gens d'Afrique centrale, il a cherché à lever les sanctions. On les a levées. Parce qu'au départ, même, on avait dit qu'on n'est pas comme la CEDEAO. On ne sanctionne pas. C'est des sanctions. Comment on dit, c'était des sanctions de. On appelle ça. Préventives. Donc dès qu'il a atteint plus de conditions, on a levé les sanctions. Mais maintenant, alors que. Il commence à attaquer les sujets politiques. Première visite, c'est Chiti, c'est Ouattara. Ça montre bien quel est le sens qu'il veut donner à sa diplomatie. Oui. Donc, je pense que là, c'est un premier indicateur de ce qu'il pèse, de ce qu'il vaut. Mais bon, nous ne sommes pas surpris parce que bon, nous n'attendons pas beaucoup du Gabon. Nous savons qu'il y a des panafricanistes au Gabon. Oui. Nous savons très bien qu'il y en a beaucoup. Mais pour l'instant, ils ne constituent pas encore la force dominante. Ils ne sont pas encore si forts que ça. Nous avons une pensée pour eux. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que M. Nguema, lui, il n'aime pas le panafricanisme. Il n'aime pas, je vous le dis, à titre personnel, il n'aime pas le panafricanisme. Et ça se traduit dans son comportement.